Salut les amis, c'est Willy et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour notre épisode numéro 3 sur Spider-Man 2. Et j'ai envie de dire, c'est parti! Donc on s'était arrêté juste ici pour aller faire notre fameux babysitting avec Peter. Enfin, on doit rejoindre Peter. Oh, y a pas de gens, c'est stylé ça. Mayday, mayday. C'est quoi ça? Ah, pas trop tard. Salut. Content que t'aies pu venir. J'arrive à temps, on dirait. T'arrête pas, Gargan. Paré pour le deuxième. Le deuxième? Je croyais qu'on surveillait que Scorpion aujourd'hui. Miles. C'est bon. Ça va aller. C'est pas la saison des feux d'artifice? Il faut aller voir. Du rouge? Du jaune? Tu penses à la même chose? Surveillez bien les prisonniers! Je prends la gauche! Protégez le bateau! Sur ma position! Je savais que j'aurais dû faire des étirements. Ta tête prend un superbe trophée. Bonjour madame. Alors, il n'est pas possible d'esquiver les attaques lourdes par les lorsque les cônes d'alerte passent du jaune au rouge. Ok, ok. Elles sont tranchantes ces lames. Vous venez de loin, on dirait. Moi, c'est Spider-Man. Au cas où vous ne seriez pas au courant, ces types sont ultra dangereux. On a vraiment intérêt à les garder en prison. Wadadadada. Rien à voir là-dedans. D'accord, on annule le cocktail de bienvenue alors. Spider-Man, c'est quoi cette espèce de brute? J'espérais que vous le sauriez. Y'a quelqu'un? Non, y'a personne. Hop, allez. Oh, ça promet de la bagarre. Arrêtez-les. Submergez les gardes et détruisez les portes. Bah allez, venez, venez, allez, venez, allez! Il fait le scorpion, il dit! On doit les arrêter! Reste pas là, comme... Qu'est-ce que vous leur voulez à ces types? Vous avez déjà l'air assez nombreux dans votre club! Tu verras, et ce sera un moment glorieux! Ne rappelle pas de ce genre d'annonce! Ça n'arrête jamais!
Insecte toi, ouais. Ce sont pas des insectes en réalité. Même c'est peut-être pas pertinent dans ce contexte. Bouge pas, j'arrive, chérie. Lâchez rien. Faut pas qu'ils s'approchent des prisonniers. T'es costaud, toi, hein. C'est bon, on va calmer. Vous êtes quoi? Des mini-vultures? Attendez là, wow wow wow. On peut pas les laisser entrer dans ce navire. Oh oh. Ah bah toi t'es KO madame. Vous êtes nuls. Aïe, j'aurais voulu. Ah bah aïe 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 aïe. T'as vu ces types? Ils ont des thunes et de la technologie. Ouais, ils sont pas là pour rigoler. Ils ont la pour récupérer. Scorpion nourri. Tous les deux. Si jamais ces gars s'écharquent là. Reste concentré, Spider-Man. La présence est inattendue. T'as senti ses gants. Ouais, tout ce qu'il y a. D'accord, de l'oudé. Y'a au moins un truc de clair. Ils savent ce qu'ils veulent. On est nombreux, mais on se bat à l'unisson. Trop facile. Coupez ce truc, Spider-Man. Comment ça va? Tu vois le truc des vitres, là? Avec bien, attends. Mais voilà, l'ennemi, j'en ai corps. Oh. Allez, hop. C'est bon, je m'occupe de ci. J'espère que c'est de Spider-Man que tu parles. Je suis sûr, un centimètre de plus que lui, au moins. On était pas au courant que le rat se déplacer dit. C'est sans importance. Il faut vite qu'on neutralise ces gars. Peu importe qui ils sont. Ouais, mais ils sont très très costauds. C'est pas un jeu, c'est un film. J'en profite pour vérifier s'il reste pas de civils. C'est qui doit avoir.
Qu'est-ce qui s'est passé? Les garçons à l'abri? Allô? Pas de signal. Vaut mieux pas traîner. Wow. Ça se gâte sérieusement. Faut pas avancer. Ah, ça y est. Oui. Il s'est échappé, il m'a tiré là-dedans. Scorpion est dans la nature. Je dois prévenir Spider-Man. Je vous sors de là. Restez calme. Je vais trouver une solution. Accès électrique. Ça m'a l'air prometteur. J'espère que Peter a retrouvé Scorpion. Ces gens n'ont pas. Alors, est-ce qu'on va se taper avec le Scorpion? Je suis là. Je vous le jure. Les systèmes de secours. Ben, avance. Même moi je peux le sentir. Faut pas que ce garde soit touché. Il va se faire carboniser avec tout ce courant électrique. Ah, c'est vrai que nous on peut. Le courant ça nous fait pas peur. Je vais vous demander de vous éloigner de l'eau, d'accord? Ah bah bravo! Merci mille fois, petit! On a Scorpion en visuel. Super-héros. Peut-être que tu t'accroches là où les autres abandonnent. Toujours efficace ce Scorpion. Hein. C'est si paisible sans Miles. Pour un moment tu es Spider-Man, j'ai plus à m'inquiéter. Personne n'est obligé de mourir. Je laisserai personne te faire de mal. Tu vas manquer de temps, micro. Non. Je les retrouve.
Ah ouais. Ah bah attends toi, tu vas voir. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Ma puissance bioélectrique. J'ai du mal à la contrôler. Il est dans les airs. On bouge. Tiens. Les emmène-les. Ah bah les patis. Je suis à leur trousse. Miles, tu penses que tu peux t'occuper de lui? Je peux revenir tout de suite. Non, je peux gérer. Vas-y. Est-ce que t'es sûr? Je peux pas le laisser s'approcher de ma famille. Pas après ce qu'il a fait à mon père. Je me dois de les protéger. Par contre, Lee, il lui a encore changé son visage. Reviens très vite. Je maîtrise. Parce que là, il ressemble un petit peu à Alex Levent, je crois qu'il s'appelle, le youtubeur, la muscu. Au revoir, madame. C'est bon? Qu'est-ce qu'il se passe? Je sais pas qui vous êtes, mais vous auriez dû choisir une autre ville. Tu t'en sortiras pas. Oh, attends. Raté. Oh. Aïe. Restez sur lui. Hop. Hop. Allez, venez. Allez. Il n'y a plus que deux. Ah, toi t'es chiant toi le robot là. Oh là là, y'a de la baston. Je crois qu'il en reste même. Une chose est sûre, c'est qu'on s'ennuie pour. Je peux pas encore aller l'hélice avec ces brutes qui me tapent dessus. On le tient. Combien de
fois je vais devoir vous le répéter. Aïe. Lee reste avec moi. C'est mon copain Lee, d'accord. Elle bug la madame ou... Oh bah, je pensais qu'elle allait voler, mais non. Coucou, panier. Au moins, les premiers secouristes sont là. La police cherche encore, mais y'a aucune trace d'eux. Ça donne quoi en amont ? Y'a que des décombres ! C'était qui, ces types ? Je sais pas, mais ils sont à la pointe de la technologie. Sans compter qu'en plus, ils ont Scorpion, Ellie. Hé, hey, quel que soit leur projet, on les trouvera, et on les arrêtera. Ouais. Pete, quand j'ai vu Lee sur ce bateau, mes pouvoirs, ils... Tu crois que son énergie s'est mélangée à la tienne ? Franchement, je sais pas. Mais ça a l'air... instable. Je sais pas d'où vient ton bleu électrique, mais ça nous a sauvé la vie tout à l'heure. Hé. Hey. On remettra Lee dans sa cellule. C'est promis. Me mets pas en vent, s'il te plaît. Tu vois pas que je me prends la tête. Interdit de bouder. Allez. Change rien, Pete. Incroyable. Alors, depuis le menu capacité, vous pouvez changer les capacités que vous avez équipées. Ok. Max a débloqué l'éclair en chaîne et le point bioélectrique, mais un seul d'entre eux peut être actif à la fois. Ah bah c'est normal. Hein. Sélectionner ouf. Ah bah j'aime bien pour l'instant le nouveau. On va le laisser. Un crime en cours, chaille. Salut Miles, j'avais pris l'habitude de tomber sur ta maison. Oh tonton. J'ai envoyé une adresse.
venir. Voyons, Claron. Alors, t'as pas le temps de venir voir ton oncle? Non. Je voulais te laisser respirer, après je te rappelle très vite. Ah, bah, excuse-moi, tonton. Il doit intervenir. Pourquoi tu veux pas reconnaître ta défaite? Ça suffit maintenant. Aïe, ça m'a mal au truc. Oh, oh, sans costaud. J'ai besoin d'aide. Oui, je suis là. Je vais vous déposer près d'une ambulance. On s'occupera de vous. Ah oui, maintenant, carrément, on les dépose. J'ai vraiment cru que c'était là. Accrochez-vous, parce qu'avec moi, on est mal barré. Wouah. Est-ce qu'on peut faire le planeur? Non. Ah, je serais déjà tombé, moi. Vous en faites pas, c'est plus très loin. Je serais déjà tombé ou j'aurais déjà vomi. J'espère que le trajet n'a pas été trop brusque. Bon courage. On peut toujours compter sur toi, Spidey. C'est vrai, madame. Ok, 80 points, oui. Oui, voilà, tonton. Alors, t'as pas le temps de venir voir ton oncle? Non. Je voulais te laisser respirer après ta libération. C'est pas la peine. Et puis, on a des trucs à régler. Ah ouais? À plus tard, petit gars. On catch Pompey, ce sera fait. Après, on se concentre sur ceux qui ont enlevé Lee et Scorpion. J'ai l'impression qu'il y a un gros coup qui se prépare. Bon, on va aller voir tonton. Et s'il n'y a pas de mission qui s'enchaîne, je pense qu'on arrêtera la vidéo là. Et sinon, bon, on verra bien en fait. On a tellement pas envie d'arrêter le jeu en fait. C'est addictif, ça y est là. Par contre, ça fait du chemin. Hein. Allez, vol! Comme un petit socio. Oh! Chaque journée, son lot de désastres pour notre ville bien-aimée. Et devinez qui sont les responsables? Ce qui ne devait être qu'un banal transfert de prisonniers a tourné au fiasco. À cause de qui? Des Spider-Man, évidemment! Ils se sont sentis obligés de se mêler de ce qui ne les regardait pas. Et un groupe de mercenaires inconnus en a profité pour détourner le véhicule transportant les super-vilains Scorpion et Mister Négatif. On ne sait pas grand-chose sur ces nouveaux énergumènes, si ce n'est leur penchant pour les feux de bête. Mais une chose... Ouais, par contre, pour nager, il n'est pas très rapide. Les Spider-Man n'ont rien fait pour les arrêter. Si les forces de l'ordre avaient pu faire leur travail correctement, ces criminels seraient encore derrière les barreaux alors qu'il est arrivé. Tiens, nous avons au bout du fil une personne ayant assisté... Ah, y'a du vent, y'a du vent. Allez, va dans le vent. Voilà, mon petit gars. Salut, Jonah. Ouais, vas-y, rapide. Je voulais juste te dire que vous venez de sortir un gros mensonge. Et voilà. Moi, j'y étais sur la jetée. Les forces de l'ordre étaient complètement débordées. Les Spider-Man ont sauvé de nombreuses vies. Et ils ont bien failli arrêter ces tarés avec des flèches. Tout d'abord, vous avez de la chance d'être... Ensuite, laissez-moi vous poser une question. C'est tellement pratique. Vous avez une idée du montant des dégâts causés par ces justiciers? Non, mais c'est pas le sujet, en fait. Je n'ai pas le temps de débattre et de me perdre en conjectures alors que ces criminels en collant démolissent notre belle ville. Imaginez un peu tous les retards de livraison que cela va engendrer. Lorsque plus personne ne pourra se raser en raison d'une pénurie de crème, il ne vous restera plus qu'à remercier les Spider-Man. L'administration doit faire son travail. Les élus doivent agir. Et maintenant, un message de nos sponsors. Mais quel rageux celui-là! Ok, un crime en cours, Shive! Wow. Surprise! Bah, ils ont disparu. C'est quoi ce délire?
Est-ce que tu comptes vraiment garder ton masque ? Ah, je suis déjà arrivé au point ! Tout dépend. Relax. J'ai pas envie que mon neveu me mette une nouvelle raclée. Ton père me lançait exactement les mêmes regards. Martin Lee. Quelqu'un l'a libéré. Je sais ce que tu te dis, Miles. Mais c'est pas ta faute. On peut pas le laisser vivre ici. C'est juste une autre sorte de prison. C'est pas si facile. Je dis pas le contraire. Mais parfois, il faut savoir se défaire du passé pour pouvoir aménager son futur. C'est pour ça que j'ai appelé. Faut que tu récupères des trucs. Je le ferai bien moi-même, mais... le rôdeur a dû prendre sa retraite. Qu'est-ce que c'est ? Juste du matos à retirer de la circulation. Planqué près d'un labo de Roxxon désaffecté, vers Central Park. Ouais, je vois où c'est. Tu laisses vraiment le rôdeur derrière toi ? Derrière nous. J'ai un truc. Comment t'as... Hey Miles. À propos de Lee. Fais pas de conneries. Ouais, ouais. Je rigole pas, Miles. Il paraît que ce gars peut te réduire le cerveau en omelette. T'occupe pas de ça. Mais sinon, quoi de neuf à part ça ? L'école, l'université, les amours, ça va ? Je sais pas. Donc t'as bien quelqu'un en tête. Oh ! Ah, pas si vite. Je suis arrivé. Qu'est-ce que je dois chercher ? Serre-toi de tes yeux, mon neveu. J'ai téléchargé des codes du rôdeur sur ton masque quand je l'ai piraté. Ouais, ça m'étonne pas. La cache ne se révèle pas avant d'avoir détecté le code dans ma tenue. Ah bon ? C'est quoi tout ça, là ? Ouais. Dernière étape, décrypter la clé. Essaie. Ne plante pas. Prends ton temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais non, mais pars pas! Alors, on va pouvoir placer le panneau dans... Mais non, mais... Je comprends pas là, attends... Faire quoi? Hein? Je comprends pas là. C'est cool le truc à faire. Bah ouais, mais il a sauté comme un baboche! Faut faire quoi? Y'a du violet partout! Positionnez-vous de manière à pouvoir placer le panneau à l'emplacement désiré. Mais quel panneau? Celui-là? Bah, faut faire quoi? Faut le tirer, lui? Oh, d'accord, bon. Ouais, bah là je commence à capter. C'est pas dessus vos côtés. Ok. T'aurais fait un bon rôdeur. Tu devrais voir comment entrer maintenant. Ah, là. Oh, c'est pour introduire une nouvelle activité, ça, je parie. Ça y est. Tu voudrais pas me dire ce que c'est, mais... Ouais, voilà, je pense. Vieux prototype de tenue. Je t'en fais cadeau. Il y a plein de bons gadgets. Cool. Ça va être grave utile.
Alors, vous avez reçu une pièce high-tech rare. Utilisez vos ressources pour débloquer des tenues, des gadgets et des composants de tenues supplémentaires. Oui. Boostez vos capacités de combat et de déplacement en améliorant vos composants de tenues. Oui. Sélectionnez la santé. Oui. Améliorez votre santé en utilisant une pièce high-tech. J'en ai combien au total? C'est marqué où? Ah, là-bas, 5 sur 1. Ouais. Hop. Tac tac tac, on va pas continuer d'améliorer. Bon bah écoutez, on va le faire tout de suite. Voilà. Vous regagnez un peu de santé lorsque vous réussissez une esquive parfaite. Ok. Bon, façon, pour l'instant, on est à la dèche. Pourquoi il y avait un petit point qui clignote là, y'a quoi? Alors. Bon. Je connais pas, mais le stylé. Et là, pourquoi ça clignote encore? Je sais pas. Ça, est-ce qu'on peut l'améliorer? Non, on n'a plus de points, on n'a plus rien. Donc on a un point ici, c'est quoi ça? Oui, mais bon, de toute façon, on va tout prendre. Le problème, c'est qu'il y a tellement de choix. Ouais. Et pour les deux, il y a quoi du coup? Ah, bah c'est ça que je voulais faire tout à l'heure. Ah bah on va l'acheter. Oh. Point de compétence, j'en ai plus. Ah, j'ai qu'un point. Écoute, il y a d'autres caches comme celle-là. T'entends? Ceux qui ont libéré Lee, je suis sûr que ma technologie les intéresse. Mais il faut pas qu'elle tombe entre de mauvaises mains. Tu es le seul en qui j'ai confiance pour régler ça. Ok, compte sur moi. Les coordonnées sont dans le masque. Merci, petit gars. N'hésite pas à me rappeler. Je me demande ce que maman va penser de tout ça. Miles, j'ai appris ce qui s'est passé pendant le transfert et pour... Tu vas bien? Oui, moi. Je vais bien. Estaba ayudando en Claron avec quelques trucs. Ah! Et... comment il va? Está tratando. Pues que bueno. Mami, te veo en casa. Et avant que tu me redemandes, estoy bien. Te lo juro. Te quiero. Je ferais bien d'aller en ville. Ah bah oui, forcément, madame. Et peut-être trouver Lee tant que j'y suis. Allez, nous les amis, on se fait le petit crime en cours. Et puis on arrêtera l'épisode là. Attention, c'est moi que blanc. Traillon! Quelqu'un a vu des voleurs qui cherchaient à se prendre une raclée? Ah oui, il y a des petits défis. Attends, c'est quoi? Utiliser ce qu'il veut glisser. Ouais. Ah, c'est ça. Neutraliser l'araignée! Hop, en moins c'est fait. Bam! Il est où, monsieur? Monsieur! Oh. Attendez. Ouais. Vous saviez qu'il n'y avait pas le gros symbole dollar sur les sacs de transport de banque? Moi, perso, ça m'a déçu. Ouais. Bon bah voilà, les amis. Nous, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et on se retrouve dès demain à 17h pour la suite de l'aventure de Spider-Man 2. Donc n'hésitez pas à vous abonner. C'était Willy. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao.